Continuons notre présentation là, du programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat et à la création de start-up, initié par Damien avec le support de l'AUF. Nous avons vu cinq éléments jusqu'à présent. Le premier élément, c'est effectivement la petite histoire pour montrer un peu quelles sont en fait les qualités personnelles à développer pour pouvoir se lancer dans cette aventure. La deuxième, c'est comment communiquer. Et là, on verra avec cette présentation le pitch, avec la communication est un enjeu important pour partager ce qu'on veut et rallier les gens à sa cause. Le troisième point, c'est l'équipe. Comment on structure son équipe, qui est importante pour le succès du projet, qui est un élément très important. Le quatrième point, effectivement, c'est l'effectuation. C'est comment, finalement, on change d'une approche causale, objectif moyen, à je dispose de quoi, avec ça, je peux faire quoi, et je peux rallier quelle personne à mon projet pour pouvoir continuer et progresser. Le cinquième point, c'est effectivement que tout ça se fait si on est dans un écosystème qui permettent une protection et aider en fait ces jeunes pousses à se développer et à contribuer pleinement au développement économique de certaines régions et à l'emploi et à la création en général. Et nous allons voir donc en sixième et dernière présentation de ce programme le pitch. Alors ça a l'air de rien, le pitch en fait c'est quand même la fenêtre qui va concentrer l'ensemble du travail que vous avez fait pour, en 15 minutes, arriver à convaincre les gens de vous suivre dans votre aventure. Donc c'est que ça et c'est tout ça. Je faisais une formation pour des jeunes start-upers vietnamiens il y a deux jours. Je leur ai dit, votre projet qui fait 25 pages, 30 pages, il va falloir que vous le résumiez dans 10 slides et que vous arriviez à convaincre les gens que ce que vous faites, il faut qu'ils viennent avec vous, il faut qu'ils soient avec vous dans cette aventure parce que c'est une aventure extraordinaire. Le pitch, c'est ça. Le pitch, c'est l'histoire, c'est ce qu'on appelle elevator pitch. C'est vous imaginez que vous êtes dans un ascenseur à côté de votre chef que vous voyez très rarement et vous avez une idée et vous avez 30 secondes pour le convaincre dans l'ascenseur. Et l'unique objectif du pitch, c'est que le patron, alors ici, ça peut être le financeur, ça peut être une grosse entreprise à qui vous voulez vendre votre idée, qui sort de l'ascenseur et qui dit « c'est intéressant, revenez voir dans votre bureau, dans mon bureau avec votre équipe, on va en parler sérieusement ». Le pitch, c'est ça. C'est simplement arriver à convaincre qu'on vous ouvre une porte pour que vous arriviez à avoir un deuxième rendez-vous. Ça, c'est l'objectif du pitch.